Salut tout le monde, c'est Alex, comment allez-vous? Moi je vais bien. Aujourd'hui, pour poursuivre avec ce que je disais hier, genre j'avais comme un petit peu bloqué ou que j'étais rendu dans mon story, de mon scénario, de mon histoire que je suis en train d'écrire, que je suis en train de monter, de construire. Oui, j'avais un petit peu bloqué dans la région, dans la création de l'antagoniste et le mentor de mon histoire. Puis là ça s'est réglé. Oui, là ça s'est bien réglé. J'ai mis tout ça plus au bon endroit dans ma tête. J'ai plus développé les personnages que je veux créer dans mon histoire, dans mon scénario. Là je crois que ça va beaucoup mieux. J'ai pas fini le story du scénario. Presque. Il me reste quelques scènes à peaufiner. Il me reste des scènes à la fin du film, surtout dans le third act. C'est surtout là, genre, qu'il me reste à écrire ce que j'ai envie qu'il y ait. C'était bizarre comment j'avais ma main. Désolé. Et voilà, c'est ça. Pour ça, c'est cool. Aussi, je voulais vous dire un truc. Hier, j'ai. En fait, ça fait une semaine que je connais cette télé-cycle-là, cette télé-series-là, qui s'appelle Californication. C'est une nouvelle série ça fait une semaine que je connais, mais j'ai juste commencé à regarder des épisodes hier soir. Hier soir, j'ai regardé les trois premiers épisodes, et vraiment, j'ai cliqué. Vraiment, c'est super cool cette série-là. Ben, je vous fais un peu le synopsis, si on veut. En fait, l'histoire, c'est en fait, c'est on suit le héros de l'histoire, c'est Hank Moody. Et lui, c'est un scénariste. Non, je crois que c'est pas un scénariste. Je crois que c'est plus. Ben, je crois que c'est un scénariste, mais je crois que c'est plus un écrivain, un writer, un auteur de livres. Genre lui, genre il a écrit un grand livre qui a été commercialisé, qui a été un best-seller. Et qui a été même transformé, adapté en. Voilà, c'est le bon mot, adapté en film. Le film est un grand succès aussi. Voilà, lui genre, mais voilà, l'histoire, c'est que cet auteur-là, genre, il souffre du syndrome du writer block. À cause de ce syndrome-là, des écrivains. Mais là, ça fait. Dans l'histoire, il racontait que ça fait 5 ans qu'il est en mode writer's block et qu'il n'est plus capable d'écrire. Puis ça, mais si. Il expliquait aussi comment que son writer block a commencé. C'est lorsqu'il a arrêté de. Comment dire? Qu'il y a rompu avec sa femme, qu'il a rompu son mariage avec sa femme. Et voilà, c'est ça l'histoire. Hank Moody est un bon personnage, je veux dire, il a une fille, puis genre, il en prend soin et tout. En tout cas, c'est une très bonne série, beaucoup d'humour. Si cette série a un genre, c'est le dramedy, drame comédie, je trouve ça vraiment cool. Il y a 6 saisons, puis là j'ai commencé la première, alors je crois que je vais quand même bien. Hein, je crois que je vais quand même bien les regarder. Regarder les saisons, je crois que ça m'intéresse beaucoup. Voilà, moi aujourd'hui je vais essayer de commencer. Je vais essayer de continuer mon story. Je vais essayer de le terminer pour que dans le reste de la semaine, parce que je crois qu'on est. Attendez, je vais aller voir, on est mardi, je crois. On est mardi. Aujourd'hui, je crois que. Désolé, j'ai bougé la caméra. Aujourd'hui, je crois que je vais essayer d'avancer beaucoup, beaucoup dans mon story pour qu'il soit en apparence terminé et que le reste de la semaine, cette semaine, mardi, non, mercredi, jeudi, vendredi, que peut-être pas vendredi à cause que je prends un congé d'écriture. Non, je blague, je change mes congés. Quoi que vendredi, j'aime ça écouter, j'aime ça regarder des films. Ouais. Faudrait choisir. Non, by the way. Donc, mercredi, jeudi, ce qui est sûr, c'est que je pourrais peaufiner le story qui sera apparemment terminé. En tout cas, tout ça pour dire que je suis impatient de commencer le screenplay de ma nouvelle histoire. Je suis impatient.
Alors moi je vous dis merci de m'avoir regardé ma vidéo. Je vous aime beaucoup. Et on se voit pour la prochaine vidéo. Je vous aime.